Dans la... Ils sont toujours amenés de la République, là. Ils vont aller au bout, à Père-Lachaise, et après ils vont tourner vers la droite. Boulevard Ménilmontant, Philippe Auguste, et puis après direction Place de la Nation. Nation, c'est... Bon, c'est pas pareil que les pétards sont, sont à peu près, ça peut un peu brûler, je pense. Oh, attention, monsieur. J'ai failli tomber, le monsieur. Pipi caca, hein. Bon là le problème c'est que il n'y a rien à Paris, pas grand chose. Hein. Y a... Pas content. Pas content de voir un truc. Vous avez la FO. Et bien sûr, tout va bien en France, mais oui, bien sûr. Moi ou le chaos? Bah ouais, mais bon, moi je vous dis, la personne qui a dit ça, je pense que c'était moi et le chaos. Voilà. Les pompiers en colère, en grève. Les avocats en colère, en grève, le personnel médical, les urgences en grève, le personnel enseignant aussi en grève, les lycées, tout ça, bon voilà, hein, les gilets jaunes depuis plus d'un an, tout ça fait que voilà. Et comme moi je vous le dis, la retraite, ça rentre dans la retraite à point, c'est une arnaque. Une arnaque, complètement une arnaque. Pensez-vous que les personnes les moins bien lotées actuellement en retraite vont en avoir plus? Mais pas du tout, pas du tout. Hein? Et puis l'âge pivot qui est devenu l'âge d'équilibre, et puis on ne sait pas combien, on a des points, mais on ne saurait pas dans quelques années combien le point va valoir, puisqu'il pourra baisser. Voilà. C'est juste un truc comptable. Et en plus, bon, les retraites ne sont pas si menacées que ça. Hein? Remontons un peu les cotisations, ou alors déjà l'égalité des salaires entre hommes et femmes.
Voilà, et puis moins de chômage, mais moins vraiment du chômage, hein, pas des gens qui sont radiés ou des gens qui font des formations et qui rapportent rien. Hein. Voilà quoi. Travailler plus pourquoi ? Pour être plutôt au chômage, parce que vous voyez qu'il n'y a plus que 33% des gens qui sont après 55 ans qui sont actifs. Les autres sont au chômage ou en invalidité, tout ça. Nous sommes dans les derniers, puisque là-bas au fond, vous voyez, il y a les gyrophares bleus. Ça, c'est... On s'embarrasse pas de vouloir parfois taper les pompiers. Hein. Là, ça a pété, ça. Pas dans le bon sens. À force des policiers de manifester à côté des pompiers de tout le monde, là, en fin de compte, ils font leur propre manif. Hein. Ah, ils sont peut-être un peu en retard là. Bon, nous allons voir la fin, nous allons voir la fin de la manif. Là, vous avez les flics qui sont là. Fédération autonome. SPP, PATS. Libre dans l'action. Tous ces camions, tout ça de gendarmerie de police, parce qu'il faut bien les ramener, hein, les flics, après. Bon, là, c'est la gendarmerie. On voit derrière gendarmerie. Mais bon, la question, c'est ce qu'ils portent leur RIO. Là, je ne sais pas si c'est sûr. Nous sommes mardi 28 janvier 2020 à Paris, là, et là, ils vont arriver bientôt là-bas au fond, c'est Père-Lachaise. Pour après tourner à droite vers l'avenue Boulogne-Ménilmontant, avenue Philippe-Auguste, et finir à Nation. Bon, moi je pense que, comme samedi, là, en fin de compte, il y a des terroristes dans les manifestants, ou alors c'est des vedettes dans les manifestants. Vous voyez les armes, hein, parce qu'il n'y a pas seulement que des LBD, hein, 40, hein, mais aussi des armes, des vraies armes. Il faut bien les entraîner hein, à un moment donné. Hein. Ah, il y a le camion en haut.
Bon, qui, bon, faut pas dire que c'est que de l'eau, hein. C'est un truc chimique à l'intérieur, hein. Un truc de chimique, hein. Donc il y en a qui croient que seulement on se fait mouiller dans l'eau. Non, c'est pas tout à fait vrai. Ben voilà à quoi on fait payer les... Voilà à quoi passent nos impôts. Le deuxième, il doit être là. Je ne sais pas où il est, le deuxième colis. Voilà, c'est... voilà à quoi passent nos impôts. Parce que l'État répond par la police. Ouais, ça, c'est la police, voilà. Alors comment l'État il répond aux revendications sociales, tout ça, c'est la police, la police, la police. Voilà. Voilà. Ah ben oui, mais là, tout est police. Ouais. C'est à quoi servent nos impôts, je vous le dis. Après, toutes les armes qui commandent, les grenades, même si la grenade GL4, a priori, ils ne peuvent plus en commander puisque c'est plus fait. Mais donc ils vont commander d'autres, une d'autres qui sont aussi dangereuses en fin de compte. Mon fils pour les semaines.